Florent, il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, j'étais pas bien vieille. Hein. Toi, je te demande pas. 24 ans. Voilà, bah, 10 ans. Eh, toc. Mitterrand était président, on payait en francs, et Jeanne Masse était en rouge. Et noir. En rouge et noir. Ceci dit, c'est comme aujourd'hui. Veuillez l'applaudir. Voici Jeanne Masse en rouge et noir. J'aurais commis moins d'erreurs, j'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud à l'abri d'un ventre fier, et j'aurais soigné ma peau blessée par le froid d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues, sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je m'en venais. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je l'ai. J'aurais su vous pardonner, je serais moins seule à présent. Sans plus j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans le mensonge qui tuait. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai avec nous dans le podium ce soir. On nous fait l'amitié de nous interpréter cette chanson en rouge et noir. Je vais me glisser à travers les ballons. Quelle mise en scène, vous étiez choyée. Bonsoir Jeanne, merci d'être bonsoir. Avec nous au podium. Merci. Alors Jeanne, on peut dire qu'en rouge et noir, avec toutes ces autres chansons, vous ont permis de monter les marches de la gloire. Alors pourquoi je parle de marches? C'est la pépite de Jeanne Masse, regardez. Normalement, on devrait avoir le trophée. Parce que tu comprends, ça ne vaut que si tu as le trophée. Alors quelqu'un devrait amener le trophée. En tout cas, je vous garantis qu'en Amérique, ça se passe comme ça. Hein. Ah, voilà le trophée. Voilà, alors,
Ce sont les victoires de la musique. C'était en 1985, c'est oui, ça? C'était les premières, toutes premières victoires de la musique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là entre la chaussure qui vous empêche de monter les marches? Et c'était la première fois que je portais une magnifique robe de Christian Dior, ouais. Mais j'étais vraiment pas à l'aise et avec d'énormes talons, il y avait des marches, c'était impossible. Moi, j'étais pas habituée, je portais des choses beaucoup plus faciles et c'est vrai qu'au moment où j'ai monté les marches, la chaussure est restée en bas et j'avais l'air un peu supine, mais en même temps, j'étais tellement émue que ouais, ça ne pouvait pas spontané, se passer. C'était oui, bien. Voilà, tout à mais fait. Alors en même temps, après sur scène, deuxième coup. Il n'y avait plus de victoire, il n'y avait rien du tout. En fait, mais en fait, là, je m'en souvenais même pas tellement j'étais émue d'avoir été citée à ce moment-là et de recevoir cette première victoire. Et bien sûr, et en même temps, ça reste finalement de bons souvenirs, ce genre d'imprévu. Comme on va le voir en image, regardez, vous n'avez pas été la seule à avoir vécu ce genre de moment. Et comme disaient nos amis de l'ORTF, eh bien, ce sont les aléas du direct. Et c'est notre nouveau magnéto, regardez. En homme organisé, Michel Sardou prévoit toujours des antisèches. Nous sommes en 1981 et Michel n'a apparemment pas eu le temps d'apprendre son texte. Et oui, il s'en passe hein, des choses à la télévision. Alors, Jeanne, vous avez découvert des images et en même temps vous réagissiez quand Michel Sardou chante Femme des années 80 et sort les paroles et vous étiez en train de me livrer un petit secret. Oui, parce qu'en fait moi aussi ma plus grande peur c'est d'oublier mes textes. Donc sur scène tous mes textes sont collés par terre. Il faut faire une chorégraphie, elle a imité la chorégraphie tout à fait, par terre. Hop, on lit les paroles et puis après on vient. En tout cas merci beaucoup Jeanne, ça merci nous a fait plaisir tous. Que vous veniez dans cette merci. Émission Podium. Et puis la bonne nouvelle c'est que Jeanne Masse a sorti un album Best of.